Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour le 9ème épisode du Let's Play sur Dragon Quest 4, l'épopée des élus. Et donc, je retrouve dans une impasse. Non. Au village de Dead End. Voilà, donc, vu qu'on m'a appris ce que ça voulait dire. Ce qui est au final un peu stupide de dire... Enfin, je trouvais que ça faisait plus classe dans le village, vous voyez, de la mort, ou de la mort sans fin, ou de la fin de la mort, enfin. Vu qu'il y avait un assassinat. Or bon, le village de l'impasse... Enfin, l'impasse, quoi. C'est pas parce qu'il y a rien sur la carte après. Quoique si, en fait si, attendez, je suis en train de penser, je peux me tirer par là, là. J'ai même pas eu l'idée d'y aller voir, il y a un château et tout. Bon. De, je sais pas pourquoi, là, au dernier épisode, je suis en train de réfléchir, que j'ai... Enfin, que j'ai pas avancé par là, parce que, bah, j'étais persuadé qu'il y avait des montagnes. Non, mais je sais pas. Ok, peut-être les effets de la drogue ou de l'alcool, ou... Je sais pas. Donc, cette fois, on avance, on va aller chercher... c'était comment? Où je... Où il y avait deux os dans son nom. J'ai perdu son nom. Mais voilà, je sais qu'il y avait deux os. Donc, il était dans la grotte. Et au passage, depuis le dernier épisode, j'ai XP, vous le voyez sûrement, je suis niveau 6 avec Mina et 7 avec Maya. Donc Mina devrait pas tarder à passer 7, vu que Maya est tout juste passé 7. Et j'ai acheté tous les équipements qu'il y avait besoin, les armures, les armes, faut pas s'inquiéter. De plus, j'ai récupéré une arme supplémentaire pour Mina. Je vais vous montrer. Donc la fossée à chaîne qui n'était pas à T42 mais qui était bien à Dead End, dans le magasin d'objets. Voilà. Pareil pour leurs coiffes, c'est des trucs que j'ai récupéré à Dead End. Et j'ai dû par contre, voilà, comme je voulais pas trop XP non plus, parce que je voulais pas genre commencer l'épisode à être au niveau 12, j'ai vendu les graines pour pouvoir avoir assez d'argent. Et au final je m'aperçois que bah ça va, c'est pas. J'étais pas totalement obligé. Au passage, Mina a pris l'antipoison. Et je crois que c'est tout. Elle avait déjà l'altération au dernier épisode, donc oui, ça doit être tout. On va vérifier, vous savez quoi? Alors. Raté. Magie. Alors, faut pas j'aille dans magie, faut aller dans caractéristiques, je pense. Voilà. Donc, premier secours, torpeur, antipoison. Elle n'est pas l'altération, déjà? Ah non, l'altération, c'est sans Maya, pardon. Voilà, donc elle a pris la torpeur et le premier secours. Et on va enfin descendre dans les profondeurs de cette caverne. Tum tum tum, vous êtes bien arrivé à l'étage moins 2. Merci. Je sais jamais. J'aime pas ça quand il y a plusieurs chemins comme ça. Bon, les ennemis, c'est assez facile de les faire maintenant. Un peu de dégâts, mais je vais recaler du premier secours avec 30 PM, c'est pas gênant. Allez, plus vite que ça. Bon, je les one-shot toujours pas. En même temps, j'ai pas deux persos offensifs à la base, et ça reste quand même dommage. Ouais, alors je vais pas aller à gauche. Vu que ça a l'air d'être un truc qui descend encore. Du coup, je vais aller en bas. Et on va voir. Ça se trouve, il y en a plusieurs qui descendent. Et genre, certains mènent qu'à des trucs particuliers. Mais je sais pas pourquoi. Voilà, voilà. Ouais, il y a l'air d'en avoir un autre en bas, en dessous. Mais je pense que j'y vais par la droite. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Droite ou bas. Enfin, droite ou gauche, en gros. Genre, je vais d'abord prendre le premier. Vu que c'est le premier... Je pense que finalement c'est pas celui qui va me faire avancer. Ils vont pas mettre de quoi avancer dès le début. Logiquement ils mettent tout à la fin. Ok. C'est dommage que j'ai pas... Enfin j'aime bien, c'est pas dans le 9. Dragon Quest 9 hein, je précise. On a, en fait, on voit les ennemis du coup, si on veut pas faire de combat, on a juste à les éviter. Ce qui en soit bien, ce qui en soit démotive des fois pour farmer, mais bon. Donc là, y a rien. Et par là, je sais pas s'il y a. Les feux follets sont trop chiants en vrai à affronter. Enfin là, du coup, ça a l'air d'aller, mais... Ils sont chiants déjà, voilà, parce qu'ils font la flamme qui fait super mal. Et aussi parce que si on les rate, genre j'attaque et je les rate, enfin ça fait une sorte d'esquive un peu bizarre. Mais en gros ça fait pop un autre feu follet. Voilà, bah il suffisait que je le dise.
Et du coup, je sais pas s'il y a... Enfin, si c'est random ou si c'est genre parce que tu utilises telle ou telle arme. Ah bah non, c'était la suite. Une lampe des ténèbres. Ça, c'est bien. Si je me trompe pas, lampe des ténèbres, ça permet de faire pop la nuit. Bon, bah finalement, j'ai choisi le bon chemin. Oujam, voilà. Oh, Mademoiselle Mina, Mademoiselle Maya, c'est moi, Oujam. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voulez venger la mort de votre père? Dans ce cas, je vous accompagne. Cette vengeance me concerne aussi. Je suis venu ici pour me remettre et pendant ce temps, j'ai pensé qu'à une chose. Venger Maa Balaji. En plus, il paraît que Dickens vend des âmes au diable et qu'il devient tous les jours plus puissant. C'est pour cette raison que je cherche la sphère du silence. C'est le seul moyen de contenir ses pouvoirs magiques. Eh bien, je vous suis, allons-y. Bah, ok. Bon, on a récupéré Oujam. Du coup, il y a de l'autre côté, ça m'intrigue. Est-ce que ça serait le coffre qui serait là? Ouais, ça doit être le coffre qui est là. Alors, on a Oujam dans l'équipe, on peut juste pas l'utiliser. Enfin, on peut pas l'utiliser. Dans le sens, c'est... on contrôle pas. Par contre, j'aimerais bien toucher les feux follets, s'il vous plaît. C'est pareil, on voit pas le niveau d'Oujam, je trouve ça assez triste. Parce que du coup, je peux pas me situer par rapport à lui. Genre, en gros, je vois 84 PV, si je le vois au même niveau, je me dis que c'est son perso. Si je le vois beaucoup plus haut level, bah par exemple, je me dis que si ça se trouve, fallait que je vienne le chercher plus tard. Enfin, ou quand j'étais plus fort. C'est pour ça, je sais pas. Bon. Eh bien, allons à droite. Bah, pourquoi tu veux pas me récupérer le coffre? Ok. La graine de vie, on s'en fout. Ça se vendra s'il y a besoin. En vrai, les graines devraient être vachement utiles, mais j'utilise très peu, je sais pas pourquoi. Genre, peut-être parce que je me dis qu'il n'y a pas vraiment besoin. Je sais pas si c'est vraiment super utile. Genre d'augmenter de 2 PM ou truc dans le genre. Peut-être que beaucoup, ouais, ça fait une grosse différence, mais... En même temps, vous me direz, si je... Si à chaque fois que j'en ai une, je décide de pas l'utiliser, je pourrais jamais en avoir utilisé beaucoup. C'est vrai aussi. Tum tum tum, bienvenue à l'étage moins 2. Bah ouais, t'es sérieux. Ok, super étage. Du coup, l'autre, il m'a direct emmené à l'étage moins 4. Ou alors là, c'est le moins 2 ennemi. C'est l'entrée des... Des artistes. Ouais, non, c'est stupide en fait. Ok, donc ouais, l'autre c'était bien le moins 4. Et j'obtiens la sphère du silence. Je suis sûr qu'on a pied, hein, clairement. Ça fait quoi derrière la sphère du silence? Donc, l'homme des ténèbres fait venir l'obscurité, ok. Enfermer les sorts d'un ennemi pendant un combat. Oh. Et genre ça marche même contre des mecs lambda? Bon, je vais pas l'utiliser, je voudrais pas la gaspiller. Ok, ça peut être bien contre le boss, juste fin. C'est le but, vous me direz. Ah bah c'est pour ça qu'on est là, mais... Pour le principe, je trouve ça pas mal. Mais le mec, ça fait 3 ans, non, peut-être pas 3 ans, mais ça fait un bon moment qu'il est là. Je sais pas combien de temps ça fait, je me rappelle plus la mort de leur père depuis quand ça date. Enfin bon, ça fait un moment qu'il est là, et il a toujours pas trouvé la sphère. J'arrive, je viens le chercher, direct je trouve la sphère. À un moment, bon, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Je pense que ça changeait rien au jeu que de récupérer Oujam et qu'il nous dise « Tenez, j'ai la sphère du silence ». Vous voyez? Bon. Je pense qu'il y avait pas une grosse différence. Allez, sortons de là avant que ça, je me fasse encore attaquer et que ça m'énerve. Car oui, on est pendant les sessions d'XP, oui, je suis content d'avoir des monstres, mais pendant les épisodes, moins j'en ai, mieux je me porte. Là, vous pouvez me dire, ouais, mais ça XP encore et tout, ouais, mais c'est pas drôle pour voir, regardez, ça me fait perdre du temps. Là, ça fait 10 minutes, en 10 minutes, j'ai juste récupéré Oujam et la sphère du silence. Alors que bon, ça m'a pris quoi, 2 minutes de le rejoindre? C'est pas 10 minutes de vidéo, mais pas loin, quoi. Allez, sortons de là. J'en étais sûr. Bon, ça va. Le combat devrait pas être trop long.
Allez hop. Ok. On va vite faire rentrer. Bah, je suppose qu'on va aller au château maintenant. Vu qu'il y avait que ça sur la carte. Mais d'ailleurs le château, ça serait pas le château de Dickens? Je crois, hein. J'ai un doute. C'est pas... On va vite fait passer à l'auberge, histoire de dormir. Vu que c'est gratos en fait, surtout parce que c'est gratos. Ok, donc Oujane n'a pas le droit de dormir. L'aubergiste a dit reposez-vous bien les filles. Non mais voilà, c'est pas grave, il fait comme il veut mais... Moi j'appelle ça du sexisme. Putain mais c'est pas vrai, mais lâchez-moi. Alors. Ouais, il y a l'air d'avoir que le château sur la carte. Pour l'instant. Ok, ils nous ont pas vus. Je vais utiliser les PM si je peux. Est-ce que Mina plus Maya ça fait un kill? Non, pas du tout. Ah ouais. J'ai peur de pas avoir le niveau finalement. Oh, il n'y a pas de raison que j'ai pas le niveau. Allez. Si possible, j'aimerais finir cet épisode, enfin ce chapitre. Oui, puis j'ai l'air cet épisode il sera fini aujourd'hui, c'est sûr. Le chapitre d'ici le prochain épisode. Si possible, hein, je sais plus, je sais pas du tout ce qui nous manque. Ok, j'ai appris le crâne, ça c'est cool. Qui a un autre petit village, une sorte de téléporteur et un autre petit village encore tout en haut. Bien. Le Magnificent Palace de Lord Lionel. Ok. Le mec il ouvre les portes comme ça. Ok, bonjour. Bonjour monsieur le prisonnier, vous êtes qui? Personne? Vous n'êtes personne, bien, bah très bien. Genre je peux vraiment ouvrir les portes? Okay. Oujam il ouvre les portes comme ça, le mec il a aucun respect. Moi je suis le chancelier de ce castel, vous êtes dans ma chambre personnelle. Si vous ne partez pas sur le champ, je vous ferai verrouiller en prison. Je crois d'ailleurs qu'il faut que je me fasse envoyer en prison, ouais. C'est un truc dans le genre. Alors. Et si je me rappelle bien, ce chancelier a peur des explosions. Où est-ce que je vais trouver ça? Il faudrait une mine ou une connerie du genre. Cheddar, bacon et bière, que demander de plus? Ok. Je suis rechercheur de sciences magiques au castel. Ouais. Je fouille, hein. Tiens, un autre costume. Alors le costume d'ensemble que j'ai vendu aussi valait beaucoup. Il était pas très très fort, mais il valait beaucoup. Bonjour monsieur. Okay, avec le chancelier qui fait... En ce moment, le chancelier, vous arriverez sûrement jusqu'au Lord Regent. Ok. Au Lord Regent, d'ailleurs. Faites juste du fort bruit devant cet appartement, vous allez voir comment il réagit. Ok, parfait. Et au moins comme ça, je sais comment on fait. Même si techniquement, je sais à peu près où est la chambre secrète et tout. Ok. Pour l'instant je peux pas, j'ai pas ce qu'il faut pour faire du bruit. Donc, il me faut une sorte d'explosion, un baril de poudre, une bombe, tout, enfin tout ce qui est dans ce style là. Oh, nice le port. Port Lionel. Les bateaux vont à Chandor, ouais, tous rejoignent Chandor. Alors voyons voir, tout est mieux. Ah ouais, tout est vraiment mieux. 30... Ça fait quoi les dieux empoisonnés? Bien aussi cette pipe... Ah, ça peut être bien en vrai. Non, ouais, non, c'est risqué quand même. C'est risqué, c'est risqué. Mais il me faut la lance sacrée, le poignard empoisonné. Bon, on va prendre la lance sacrée. Yep. Bon, bah pareil, faudra que je refasse du farm ici, hein. Tant pis. Ah oui, je voulais vous montrer un truc, je sais plus si je l'ai dit, ouais. On appuie une fois sur Y, on a la carte. Si on rappuie, on a ce qu'il y a dans les magasins. Voilà. Donc là, pelisse et armure de fer bouclée. Ouais, j'ai plein de trucs à acheter. Par contre, je pense pas trouver d'explosifs ici. Hein. Tous les soldats doivent parler avec ces stupides, je veux dire stupide accent.
Ok, donc on... nous avons affaire à un souverain anglais. Bravo. Bonjour. Ok. Écoutez-moi, j'ai rien fait de mal, je voulais juste m'amuser. J'ai seulement fait sauter une jarre de poudre à côté des appartements de ce vieux crabe de chancelier, c'est tout. Où j'ai récupéré la poudre? Je l'ai trouvé dans la mine d'Alpion à l'ouest. Ben voilà. Vous voyez, il suffit de se renseigner. En général, on pense pas, mais les prisonniers savent beaucoup de choses. Bon, voyons voir la carte. C'est la mine, ça, là où la mine, elle est tout à l'ouest. Je pense qu'elle est vraiment plus à l'ouest. On va voir. Ouais, ça, je sais absolument pas ce que c'est. Vous êtes à la prophétisserie. C'est juste le temple de la déesse, vous pouvez entendre ses prophéties. Mina, vous êtes désolée de cette aventure. Peut-être ça vous fait déjà l'homme contre lequel vous voulez vous venger et protéger par une force des ténèbres very puissante. Ah, j'avais pas vu, elle s'appelle la non-obstante. Ne désespérez pas, mes enfants, il y a de l'espoir. Une force vous garde, vous aussi, une force bienveillante. Elle est très little pour le moment, mais avec les conseils et les soins de la déesse, elle va prendre de l'ampleur. Vous ne devez pas être pressé. C'est uniquement quand vous serez perdu sur le chemin du que votre voyage commencera vraiment. Ouais, désespoir, despair. Ok, donc c'est pas là. Ok, donc le mec qu'on contre qui on doit se venger est protégé par une force des ténèbres, donc il doit être un des grands méchants de l'histoire, forcément. Hein. Oh merde, j'ai oublié de me soigner. On va faire ça tout de suite. Ouais, c'est le crâne qui a un sort de feu en zone. Et on ira ensuite... Alors, on va aller à la mine, on va essayer de récupérer la poudre, ensuite avec la poudre, on va aller emmerder le chancelier, qui du coup devrait se rendre directement chez le Lord Régent. Et on aura accès à un combat où il va nous défoncer, je sais pas. Je sais plus du tout. Ça vous en doutez, hein, le Lord Régent est un ennemi. Alors, je sais plus du coup si c'est vraiment... Dickens, ou si c'est... Enfin non, il s'appelle Lionel, donc c'est pas Dickens, mais... On sait jamais. Ça peut être le genre Dickens déguisé. Waouh. Bonne chance, ce n'est pas un endroit très recommandé. Ça fait peur votre mine, les gars. J'ai pas accès à la carte, hein. J'ai pas de carte. C'est quoi cet endroit? Putain, c'est morbide. Genre j'étais en train de faire des plans, vous voyez, de combat épique et tout, j'arrive là, c'est morbide. C'est ça, ça tient un peu l'ambiance, hein, on va pas se le cacher. J'ai fait explorer un peu partout. Avant je fabriquais de la poudre à canon, mais c'est interdit maintenant, hors du chancelier. Il doit rester un peu au fond de la mine. Ok. Bon, on va se taper un autre donjon. Finalement, j'en ai peut-être pour plus longtemps que... Quoique non, pas si longtemps de prévu que ça, parce que regardez, en gros quand je vais aller à Chandor, ça va finir le chapitre, et donc j'ai déjà le port là pour aller à Chandor, donc il faut juste que je batte le Lord Régent. Mais du coup Dickens, je sais plus, enfin bon, pour le principe, dès que j'ai battu à mon avis le Lord Régent, ça finit le truc, je pense, hein. En fait en gros c'est dès que j'ai accès au bateau, j'ai fini le chapitre. Donc avec un peu de chance, je devrais finir au prochain épisode. Avec de la chance. On va voir ça tout de suite. Oh, la mine en plus, c'est vrai qu'elle est hard. Attention, il y a des monstres là-dessous, un paquet même. Ouais, bah je me doute. Défais-les. Allez, tiens. On s'enjaille de ces jeux de mots. Non, sérieusement, les gars, vous avez pas de meilleurs jeux de mots? Ok. L'autre avait me lancé un sort, pas assez de PM. Tu lances pas le sort si t'as pas assez de PM. Tout simplement. Ouais, vous me direz. Sont pas assez... En fait, en gros, personne... Enfin... Moi, je le sais parce que j'ai des jauges, mais... Un ennemi en soi. Même un joueur normal. Enfin, un personnage, je veux dire. Il n'a pas de jauge, en fait. Genre, il est pas en train de se balader avec ses ambiance et PV son mana. Du coup, il peut pas savoir pour un sort. Il va tenter de le lancer d'un coup. Merde, absence de pouvoir magique. À moins que ce soit un truc qu'on ressent au fond de soi, mais j'en sais rien, ça existe pas chez nous le mana. Enfin, ça existe peut-être, mais enfin, on l'appelle peut-être pas comme ça, c'est tout. Genre quand vous allez mourir, vraiment vous le sentez, je pense. Genre ben voilà, vous sentez votre barre de PV.
Après, combien vous êtes PV et tout, vous savez pas. Un jeu de cartes enchanté? Me dis pas que c'est une arme. Si, c'est une arme. T'es censé être bien. Mais bon, ok. Ça m'arrange, ça fera un truc à vendre. Bon, on va pas se cacher, je pense qu'on n'est pas tout de suite tout en bas du donjon, là. Enfin, de la grotte. Ou de la mine, vous l'appelez comme vous voulez. Ça revient au même. Mais j'aimerais bien la finir quand même avant la fin. En gros, je voudrais finir l'épisode sur la... Enfin, finir la mine avant la fin de l'épisode. Voilà. Voilà, voilà. Merde, par là. Au pire, je vais rush un peu le fond de la mine. Et j'explorerai le... Comment dire? Ok. Avant, j'avais beaucoup d'amis. Ils sont tous morts maintenant. Ok, bah c'est très gai, je vous avoue. Ouais, je disais, je vais rush au pire le fond de la mine et je finirai, je l'explorerai moi-même en off. Genre en haut pour récupérer les coffres et tout. Wow, s'il commence à taper autant sur Oujam, c'est pas bon signe. Et j'ai fait attaquer au lieu de la faire de la magie. En fait non, ça va. Bon, j'ai fait un crit, ça aide, mais... Je pense que c'est par là. Ouais. Et jarre de poudre, parfait. Vous voulez chercher de la poudre, c'est ça? Il doit y avoir une jarre dans ce coffre là si vous voulez. Ça ne me servira pas à grand chose si vous voulez mon avis, elle est trop humide pour exploser. Trop humide pour exploser. Au mieux ça fera un sacré boucan. Je peux trouver des monstres à l'appel et crever des poches de gaz, mais je bougerai pas tant que j'aurai pas trouvé de l'or. Ouais. Ça c'est un nain, hein, clairement, on le sent. En fait, vous savez quoi, je vais finir d'explorer. Je pensais que la mine serait plus profonde, genre qu'il y aurait au moins 4 ou 5 étages, mais... Finalement, c'est une mine de merde. Waouh, là par contre, je vais faire gaffe. Je vais pas trop faire le malin. Je sais pas les dégâts qu'ils ont. Ouais. Ils ont beaucoup trop de dégâts. Maya et Oujam sont tétanisés, c'est pas grave. Le plus important, c'était le sort de soin. Premier secours encore. Magie, flamme, sur ceux qui a déjà été attaqué. Putain, mais il est sérieux, quoi, il est chiant. Crée d'intimidation de merde. Du coup, là, j'ai plus Mina pour ce tour-ci. Je vais me faire défoncer. Arrête! Putain! Vous êtes sérieux avec vos cris d'intimidation là? Vous sentez ou pas que je vais mourir? Oh, par contre, où j'aime, putain, mais mec, c'est un pleutre! C'est fou! Ouais, bon, Maya meurt, c'était sûr. Oh, putain, du coup c'est Oujam qui récupère les soins. Oh non, j'aurais dû soigner elle-même. Bon, votre heure n'a pas encore sonné. Je vais vous octroyer une nouvelle fois le don de vie. Voilà, ça c'est la force que nous disait la nonne. C'est la force qui nous protège. Nous sommes des élus. Bon, au moins vous me direz, on est sorti de la mine plus rapidement. Avec la moitié de notre argent, certes, mais plus rapidement. Ah ouais, par contre, T42. Ah, vous foutez de ma gueule en plus. Vous auriez au moins pu me ramener à Port-Lionel. Bon. Vous savez quoi, on va aller jusqu'à Port-Lionel, justement, et on s'arrêtera là. Ça fera un épisode plus court, mais...
Quoique je sais pas, mais en même temps si j'ai un combat, si j'affronte le Lord Régent, j'ai peur que le combat dure longtemps et que l'épisode fasse long, soit long. Là ça fait 25 minutes. Ou alors je vous coupe comme une merde, genre en gros je... Si on affronte l'ordre des gens, ben je vous coupe juste avant le combat. Voilà. En gros j'enchaîne les deux épisodes, mais vous, ben, vous aurez une coupure. Je peux faire ça. Ça fait pute, ça vous fait du suspense, mais au moins ça fait que je fais pas un épisode qui dure que 20-25 minutes. Non mais c'est bon, voilà. Vous savez quoi, on va faire ça. Il y a une église vite fait là ou pas? Non. Bon. Je vais sauvegarder pour Lionel. Non même pas, je vais même pas sauvegarder, ça sert à rien. En fait on s'en fout de sauvegarder parce que même si je meurs, bah... Bon je reviens à Tifor tout, c'était assez gênant mais... Mais c'est pas un game over quoi. Putain j'ai toujours détesté ça les game over. C'est cohérent un game over en soi. Hein. En gros si votre perso meurt, bah il meurt quoi. Mais c'est gênant. Allez. Merde, le chancelier était juste en dessous. Allez, allons-y. Hop, pardon, pas ici, ici. Parce qu'il faut le suivre discrètement après. Discrètement. Merci l'écran du haut. Un, deux, trois. Ok, parfait. On y va? On y va. Un, deux, trois, ici. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Si vous ne départez pas immédiatement, vous allez vous retrouver dans le sale drap, vous pouvez me croire. Par Jov, qui êtes-vous et que faites-vous dans les appartements de Lord Regent Dickens? Sortez d'ici, oubliez ce que vous venez de voir, sinon vous serez dans un sacré trouble. M'en fous. Ah, les jolies girls de mon pauvre maître Mahabala. Comment? Vous voulez venger votre père? Vous voulez me battre, moi, The Great Dickens? Votre père était un idiot. Je sais même pas s'il a découvert. Le Secret of Evolution. Quelle pitié. Si tu l'avais découvert, il aurait pu devenir le master du monde. Merci la moto de passer. Vous allez comprendre par vous-même, vous allez voir mon power. L'evolution with aucune limite. Ok, bon, on se fait Dickens. Allez, vous savez quoi, on a le temps. Ok, vous savez quoi, on va se faire éclater. Allez, perds ton armure. Ok, bon, pour l'éclatation... Ouh, ça pique. Ok, il est pas affecté. Tant pis. Et ça, t'es affecté. Aïe. 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 Ouais, ça il est affecté, c'est cool. Non par contre, arrête avec ton sort crâne, c'est chiant. J'ai qu'un soin. En fait, on est bien dans le château de Lord Lionel, mais c'est pas lui, enfin... C'est pas lui qui est là, en fait. Ah oui, il a un soin complet. Mais je suis stupide. Je suis désolé d'être stupide. Voilà. On l'avait dit en plus, c'est pour ça qu'on l'avait récupéré. Ah par contre... Ah non c'est bon, j'ai cru qu'il fallait que je fasse à chaque tour. Non, je vais quand même refaire un soin sur Oujam.
Ouais, j'ai bien fait de prévoir un soin. On va continuer au soin. Vous savez quoi? Ah, la boule de feu n'est pas considérée comme un sort. Mourir en soi, oui c'est vrai, c'est logique. Okay, donc sa défense redevient normale, on va refaire une petite altération. Tu tapes, tu fais une altération. Tu prends une patate aussi, ouais, pourquoi pas. C'était pas prévu, mais pourquoi pas. Je prends cher parce que je suis lent. Je suis beaucoup plus lent que lui. J'ai encore besoin de mon altération, vous savez quoi? Oh putain, Mina qui meurt. Ah ouais, je peux plus utiliser la sphère de silence. Ouais. Bon bah tant pis, on va éclater deux sorts flammes et faire un soin complet. Et j'ai perdu. Va falloir que je level up un tout petit peu histoire de... Comment dire? D'être plus rapide en fait, de pouvoir lancer mes sorts et tout en avance. Parce qu'en gros là si j'ai perdu c'est parce que mes premiers secours est passé après son attaque. Et parce que bah du coup pareil, la sphère de silence, même si j'avais pu la réutiliser, elle serait passée après son sort de soin complet. Allez, c'est la fin. Voilà. Bon, bah... Non, c'est pas la confession que je voulais faire. Oui, je suis de force de mon aventure. Alors ça, c'est la connerie à pas faire, c'est quand vous trompez, vous faites sauvegarder, des fois vous spammez B pour faire non, en fait, je veux pas sauvegarder. Et après il vous demande voulez-vous continuer et vous continuez à spammer B sans lire. Là il vous fait ok, bah au revoir. Et vous faites une... et vous quittez sans sauvegarder du coup. Et là vous avez pas l'air con. Bon bah c'est sur cette belle mort. Deux morts en un épisode, bravo. Beau record. Donc c'est sur cette mort qu'on va s'arrêter. Je vais XP, je pense je vais passer genre... Bah je vais pas prendre un niveau particulier, je vais peut-être viser le 10-11. Mais je vais surtout essayer d'avoir les équipements. De penser à essayer de faire la sphère de silence dès le début la prochaine fois, enfin voilà. Je ferai tout comme il faut pour le prochain épisode, on devrait du coup en finir avec ce chapitre. Ben, la prochaine fois, il y a de grandes chances, vu qu'on affronte Dickens et qu'on va battre Dickens. Enfin on va essayer, hein. Si je meurs encore, ben j'ai pas l'air con. En attendant, ben, je vous dis au prochain épisode, si la porte est ouverte, et ciao tout le monde.